Oui, Jean-Baptiste, une occasion pour Ethan Dumortier qui a voulu jouer avec cette pelouse synthétique humide pour peut-être réussir à aplatir sur sa lancée. Vous allez voir ce ballon récupérer la passe de Coltman pour Alfred Parisien qui trouve Ethan Dumortier un petit peu dans son axe. Il a Ratèze à son extérieur, Nignashvili à son intérieur, mais il se dit peut-être que sur son élan, en glissant, il pourra aplatir dans l'embut, mais c'était sans compter sur le bon retour défensif de Tamboué et de Ben Tapouaï. Pas d'essai pour l'instant pour les Lyonnais qui ont tout de même une possession dans la moitié de terrain bordelaise. Avec deux équipes qui vont devoir composer avec des conditions un petit peu compliquées. Il a plu beaucoup toute la journée ici sur Lyon. Ça s'est un petit peu arrêté. On pensait que les joueurs seraient épargnés pour cette rencontre, mais finalement, c'est reparti de plus belle. C'est une succession d'averses et d'accalmies ici à Gerland.
Oui, Jean-Baptiste, et malgré un ballon forcément glissant, il faut l'admettre, les deux équipes se livrent pour l'instant un beau combat avec pas mal de volume de jeu. C'est l'une des meilleures attaques à domicile face à l'une des meilleures attaques à l'extérieur. Forcément, ça promet avec un avantage en cours pour les Lyonnais. À noter tout à l'heure une occasion laissée en route pour les Bordelais, une touche à 5 mètres perdue par les coéquipiers de Clément Ménadier. Monsieur Rénal, qui on le rappelle, a annoncé sa retraite prochaine, siffle cette pénalité plutôt très bien placée en faveur du Loup. Vous voyez, ce sont les points, assez logiquement, après 9 minutes de jeu, une pénalité autant dans les cordes de Léo Berdeux. A noter une séquence de plus de 2 minutes 30 pour ces Lyonnais relativement rassurés après la défaite de Montpellier à domicile tout à l'heure.
Avec un turnover dangereux, le ballon pour Alfred Parisien qui vient croiser avec Vincent Ratez. Il retrouve l'ancien Bordelais, Semira Dradra, Baptiste Couillou désormais. Le capitaine, on approche de ses 22 mètres Bordelais. Beaucoup de rythme du temps de jeu effectif. En veux-tu, en voilà dans ce début de match, mais seulement 3-0 après 20 minutes. Possession intéressante tout de même pour ces Lyonnais. Avec Félix Lambec à créer ce point de fixation. La passe aveugle de Semira Dradra à son extérieur pour Vincent Ratez. Ballon conservé pour le moment. Jérôme Rey qui lui aussi progresse. Ballon en main. Dans du jeu auprès, Capoukou qui appelle ce ballon. Et c'est finalement Saguinadze qui est servi du jeu dans le dos avec Léo Berdeux. Est-ce que ce ballon a été gratté par les Bordelais? Non. Poku, le futur Palois qui récupère. Est-ce qu'il aplatit dans l'embut? Et c'est validé par Mathieu Reynal. Et forcément, ça fait beaucoup, beaucoup de bien aux Lyonnais, à leur public, ici au Matmut Stadium. C'est une option, bien sûr, pour une victoire peut-être ici. Une nouvelle victoire à Gerland en vue du maintien, elle sera importantissime, même si bien sûr il reste encore une heure. C'est quand même un signal positif pour la suite de cette rencontre. Alors vous avez peut-être entendu Monsieur Reynal hein, qui va demander à son arbitre vidéo, en l'occurrence Denis Grenouillet, de contrôler le dernier ruck et non pas le toucher à terre. Ah, c'est peut-être une suspicion d'en avant, bien sûr. Il est, semble-t-il, d'accord avec vous, hein, Monsieur Reynal, Mathieu. L'essai validé par Monsieur Reynal, même si, on aurait pu penser que ce contest de Pitsamou méritait peut-être un petit peu mieux. Mais c'est une très bonne nouvelle pour ces Lyonnais avec cet essai accordé à Joël Poku.
Oui, le 11e essai cette saison pour le capitaine Baptiste Couillou, mais il a surtout profité du travail de ses gros. Regardez la prise de balle de Félix Lambet, ce groupé pénétrant qui s'organise. Et regardez Baptiste Couillou qui va saisir ce ballon, le sécuriser. Et ça va aller petit pas par petit pas jusqu'à l'embut, jusqu'à l'essai. Il gamelle sur ce coup-là le demi de mêlée lyonnais. Mathieu Blin, ça doit vous faire sourire parce que normalement, c'est aux avants d'aplatir ce genre d'essai. Il a pris un...
Il a l'œil, hein. Et oui, Léo Berdeux revient en forme, le numéro 10 de cette équipe de Lyon. C'est ça, son huitième match cette saison. Attention, surtout côté bordelais, à ne pas reprendre la même séquence devant. Mais cette fois-ci, les Lyonnais ont décidé de faire jouer un petit peu autour de ce môle. Essayer de tromper un petit peu cette défense bordelaise. Et ça avance avec cette passe piston de Taofi Fenois pour Jérôme Rey. Le pilier gauche lyonnais qui s'approche de la ligne, mais ils sont pénalisés. Ces Lyonnais qui mènent tout de même 17-0 dans cette première période. Ils profitent d'une petite supériorité numérique avec un carton jaune pour Madoche Tamboué. Pour l'instant, ils sont assez inarrêtables et très très dominateurs devant ces Lyonnais. Match dans le match entre deux demi de mêlée internationaux, tous les deux capitaines aujourd'hui. Maxime Lucu, le Bordelais, Baptiste Couillou, le Lyonnais pour l'instant. Cet affrontement qui tourne à l'avantage des coéquipiers de Baptiste Couillou. Pour l'instant, 2-0. On rappelle que ces Lyonnais restent sur 2 victoires bonifiées ici à Gerland face à Oyonnax et face à Castres. Forcément, les pouces levés pour Baptiste Couillou, pour l'instant satisfait sous les yeux de Jordan Tofua, de Mickaël Guillard, que vous voyez, que vous apercevez au-dessus, l'un des hommes en forme de cette équipe lyonnaise. On le disait en avant-match, 7 joueurs à moins de 10 feuilles de match dans le 15 de départ. Mais ce n'est pas parce qu'on a fait tourner du côté de Fabien Gégenbacher et Arnaud Aiguis, parce qu'on a récupéré d'habituels titulaires à l'image de Romain Taufi-Fenois, de Léo Berdeux, de Semira Dradra. Seulement 4 matchs cette saison. C'est dire si ces Lyonnais ont longtemps lutté sans leur cadre. Il y aura Moefana. Le jeu au pied à suivre de Moefana directement dans les bras de David Niniashvili qui va lober Zach Holmes. Coup de pied directement en touche pour l'international géorgien. Et ce sera un lancer lyonnais dans la moitié, un lancer bordelais pardon, dans la moitié de terrain lyonnaise. Fabien Gégenbacher en grande discussion avec le quatrième arbitre sous les yeux des deux présidents, Yann Roubert, Laurent Marty. Yann Roubert forcément soucieux parce que même si Montpellier s'est incliné à domicile face au Stade français, il y a quand même un maintien à assurer sur cette fin de saison. Première d'une série de 4 réceptions face à des prétendants aux phases finales pour cette équipe de Bordeaux. De Lyon, pardon, décidément.
Vas-y, parle-moi. Vas-y. Ouais. Parfait. Oui, avec les Lyonnais qui, on le rappelle, ont encaissé 3 points avec cette pénalité de Maxime Lucu. On va voir ce que vont faire les coéquipiers de Baptiste Couillou alors qu'il reste un petit peu moins de 15 secondes dans le temps réglementaire de cette première période. Est-ce qu'ils vont tenter de creuser l'écart ou au contraire sortir le ballon après la sirène, ou plutôt le cri du loup ici à Gerland? Pour l'instant, en tout cas, ça avance dans le sillage de Semir Adradra. Vous l'entendez, cette sirène maison. Baptiste Couillou pour Saguinadze. Pour l'instant, on a l'air d'avoir envie de jouer. On rappelle, les deux essais à zéro pour les coéquipiers de Romain Taofifénois qui a joué en pivot pour son coéquipier en deuxième ligne, Félix Lambet. Couillou avec Berdeux du jeu à hauteur pour son jeune trois quarts centre Alfred Parisien qui va pouvoir libérer son ballon par le sol. Foutouaïka à la puissance du pilier droit tongien. Avec Botta qui appelle le ballon le long de la ligne qui est servi par Ethan Dumortier. La puissance
du numéro 8 sud-africain. Si d'aventure ils arrivaient à marquer un troisième essai, les Lyonnais, ils scelleraient presque le sort de cette rencontre. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Jean-Baptiste et Mathieu, mais pour l'instant, ils dominent dans tous les compartiments du jeu. Et la solution vient souvent, l'éclair vient souvent de David Niniashvili qui est au relais. Ici, est-ce que vous restez ici, messieurs? Est-ce que vous allez là où l'essai a été marqué? Avec Alfred Parisien qui est bloqué dans le couloir des 5 mètres. Baptiste Couillou, Félix Lambet. Attention parce que ça va peut-être s'ouvrir cette fois-ci. Liam Coltman, l'ancien All Black, qui libère son ballon. Le relais désormais d'Arnaud Botta. Ce troisième essai qui chauffe. Ici à Gerland, avec à la clé, pourquoi pas, un point de bonus offensif provisoire. Le public de Gerland qui pousse, est-ce qu'on a passé la ligne? Oui, et c'est validé le troisième pour cette équipe lyonnaise face à des Bordelais qui ne peuvent décidément pas faire grand-chose. Aujourd'hui, la force est du côté des hommes de Fabien Gégène-Bachère. Bonus offensif provisoire acquis juste avant la mi-temps. Un score pour l'instant de 22 à 3 en attendant la tentative de transformation de Léo Berdeux. Vous avez raison de me couper, Mathieu. On va vérifier cette dernière action. On va écouter du coup Mathieu Reynal, qui vit le premier arbitrage vidéo du reste de sa vie. Lui qui, on le rappelle, a annoncé la fin de sa carrière à l'issue de cette saison. Alors il faut suivre le talonneur lyonnais, Liam Coltman, qui va entrer dans l'écran juste là et qui involontairement, visiblement, va mettre son épaule dans le visage d'Hugo Boniface. Involontaire ou pas, on rappelle que Liam Coltman est un talonneur de métier. Et regardez, c'est finalement un essai annulé et un carton jaune à suivre pour Liam Coltman. Des Lyonnais qui se retrouveront en infériorité numérique pour les 10 premières minutes de la seconde période. On en reste sur ce score de 17 à 3 en faveur des Lyonnais. Vous avez entendu la décision de Monsieur Reynal, le carton jaune pour Liam Coltman et les Bordelais qui, résultat, vont peut-être, eux, tenter de réduire l'écart avant la mi-temps. Lancé à suivre pour Clément Ménadier qui retrouve aujourd'hui une place de titulaire. Lui qui prendra également sa retraite de joueur pour sa part à la fin de cette saison. La prise de balle de l'Argentin Guido Petit. Est-ce que ce maul avance? Oui. Ballon à disposition pour Maxime Lucu avec Ben Tapouaï en premier attaquant. Zach Holmes. Et on tente de mettre de la vitesse. Attention à ce ballon perdu. Est-ce que ça va profiter aux Lyonnais? Non. Ce sera donc la mi-temps sifflée sur cet en avant bordelais. 17 à 3 en faveur de Lyon à domicile. Ça sent plutôt très bon pour les hommes de Fabien Gégène-Bachère.
Louis, après 20 premières minutes plutôt équilibrées, les Lyonnais ont pris l'ascendant devant. Quel levier va falloir activer pour réagir en seconde période? Bon, déjà, il va falloir être un petit peu plus discipliné. On avait parlé avant le match de gagner toutes les collisions, on n'en a pas gagné une pour l'instant, donc voilà, c'est plutôt sur ça qu'il faut s'appuyer. Et voilà, et plus jouer chez eux, je crois qu'on n'a pas eu un bon ballon chez eux, donc voilà, plus jouer chez eux. Merci Louis. Oui, avec Vincent Rathès qui a tenté de trouver du soutien. Attention, c'est un ballon récupéré par Louis Bielle-Biarré. Il est passé l'international français, mais il glisse au moment de jouer son duel face à Léo Berdeux. On rappelle des Lyonnais réduits à 14 contre 15 après ce carton jaune pour Liam Coltman en fin de première période.
Oui, le rapport de force qui s'est inversé, notamment en mêlée depuis la sortie de Liam Coltman. Et du coup, les Bordelais qui profitent aussi de l'entrée de Bentamey Founa au poste de pilier droit. Attention à ce ballon qui a été relevé par Moefana pour Baptiste Kouyou. Le ballon qui va sortir. Zach Holmes qui fait office de relayeur avec Tamey Founa justement. Et forcément, c'est plus facile de trouver de l'avancée avec le pilier droit tongien, Kazo, qui est mis au sol. Et on enchaîne côté bordelais avec Moefana qui va défier son vis-à-vis Marakou, entré en jeu à la mi-temps à la place de Semira Dradra. Avantage en cours pour les Bordelais. Attention à la répétition de faute du côté des partenaires de Baptiste Kouyou. Louis Biel-Biarré, est-ce qu'il a réussi à aplatir? Non, mais il a relevé ce ballon. Comment a-t-il fait ça, Louis Biel-Biarré? Geste de grande classe pour l'ailier international. La passe à destination de Pitsamou qui aplatit le premier essai bordelais. Tout est relancé dans ce début de première période, de ce début de seconde période, pardon. Un coaching payant pour les hommes de Yannick Bru.
Avec un coup de pied manqué par Louis Bielbiaré. Ballon récupéré par Alfred Parisien. On va revenir à un en avant de la part des joueurs de l'UBB. Il y a une bonne mêlée à venir pour ceux du Loup qui sont de nouveau à 15 contre 15 avec le retour de Liam Coltman. On le voit, cet en avant de Louis Bielbiaré. Et les Lyonnais qui ne sont peut-être pas au courant, mais forcément ce résultat, ce bonus offensif provisoire est quasiment assuré pour les joueurs de l'USAP, eh bien, devrait les inspirer pour essayer d'aller en chercher un ici face à Bordeaux. Et les Lyonnais qui occupent la moitié de terrain bordelaise, mais qui commettent quelques fautes de main sur des passes après contact, à l'image de celle de Couillou à l'adresse de Paolo Tafili. Attention à ces Lyonnais qui sont sous pression. Niniashvili, ce ballon perdu. Attention, parce que là, ça s'agace. Madoche Tamboué avec Arnaud Botta. Deux joueurs qui se connaissent bien pour s'être affrontés, notamment en Super Rugby ou en Currie Cup. Botta, l'ancien joueur des Bulls. Tamboué, passé par les Lions et par les Sharks. Et on va gentiment reprendre sa place et revenir sur cette mêlée en faveur des Lyonnais. Alors qu'on voit au ralenti, hein, la bonne défense de Tamboué sur Léo Berdeux qui évite la touche de justesse. Et cet en avant bordelais, il intervient juste là. Et on va repartir donc sur une mêlée lyonnaise qui, depuis le retour de Liam Coltman, retrouve un petit peu de couleur.
Oui, parce qu'avant de penser au point de bonus, il faut bien sûr assurer la victoire. Les Lyonnais qui ont, vous le disiez, ces 10 points d'avance, mais qui lâchent beaucoup de ballons dans la moitié de terrain lyonnaise, mais aussi dans leur propre moitié de terrain. Niniashvili qui a été sèchement plaqué, mais finalement, ils s'en sortent bien, les coéquipiers de Baptiste Kouyou cette fois-ci. Ça fait en tout cas pas mal d'occasions laissées en route pour les hommes de Fabien Gégenbacher. Les Bordelais toujours dans le match, à l'image de Louis Bielbiaré, auteur d'une passe décisive magnifique tout à l'heure à l'adresse de Pitsamou. Zach Holmes qui a été mis au sol avec Lesgourg qui croise pour Bentham Ifuna. Attention, il est difficile à mettre au sol, voilà qui est fait par Ethan Dumortier. Mickaël, cette fois-ci qui est refoulé par la défense lyonnaise. Mickaël Guillard qui est entré, qui va tenter de contester ce ballon, mais il est toujours en possession de Bordeaux avec Holmes. Tapoua, il la passe sur le pas avec Pitsamou, l'auteur de l'essai bordelais justement. Cazot, Kolachvili, tous les remplaçants sont entrés côté bordelais. Bielbiaré en position d'ouvreur avec Maxime Lamotte qui a réussi un demi-cadrage débordement dimanche dernier face à Antoine Dupont. Attention, peut-être suspicion de plaquage haut, non. Sur Louis Bielbiaré, vous avez entendu Monsieur Reynal, le jeu se poursuit. Et pour l'instant, il a du mal à se relever. Ce sont des crampes, visiblement, pour l'ailier international, alors que Paddy Jackson va renvoyer le ballon dans la moitié de terrain bordelaise. Attention à Tatafou, qui va, cette fois-ci, changer de rythme, accélérer. Mais Mickaël Guillard parvient à plaquer le surpuissant numéro 8 bordelais. Yann Lesgourg qui, résultat, va temporiser suite justement à ces temps de jeu successifs un peu stériles, comme vous le disiez Mathieu. Le jeu au pied très haut dans le ciel lyonnais de Yann Lesgourg dans les bras de David Niniashvili. Attention, s'il arrive à trouver de la vitesse, à prendre de la vitesse, l'international géorgien. Baptiste Kouyou, Tafili, l'ancien Toulousain. Et côté lyonnais, on va aussi jouer l'occupation avec Paddy Jackson, entré à la place de Léo Berdeux il y a quelques minutes. Zach Holmes qui va chercher Louis Bielbiaré avec son casque blanc. Attention à Tamboué qui a pu accélérer. Elle veille au grain cette défense lyonnaise. Mais encore une fois, c'est 10 points d'avance qui pour l'instant sont menacés par les Bordelais avec Mouefana qui est passé. Kane Douglas au relais, la fin de passe d'Antoine Mickaël. Attention à cet avantage en cours, hein, en faveur des Bordelais, comme vient de le répéter Monsieur Reynal. Et oui, ça franchit avec Madoche Tamboué qui vient marquer cet essai et qui ramène cette équipe de Bordeaux à 5 points de retard à 15 minutes de la fin de ce match. Cette victoire lyonnaise qui ne tient plus qu'à un fil.
Oui, vous parliez de Mathieu Reynal qui avait laissé jouer cette action à juste titre. Baptiste Couillou qui cède sa place à l'instant à Martin Pajerello qui avait commis ce petit en avant volontaire. Mais s'il l'a commis, c'est parce que la passe du Bordelais Tapouaï était partie vers l'avant. C'est ce qu'a vérifié Mathieu Reynal à la vidéo. Ça a été confirmé. Résultat, et c'est refusé. On va le voir au ralenti. Regardez les mains de Ben Tapouaï et la direction de ce ballon qui part vers l'avant. Résultat, essai refusé malgré le geste magnifique de Madoche Tamboué. On est revenu donc à la faute lyonnaise. Pénalité pour les Bordelais. La pénale touche choisie et un lancer à 5 mètres pour Maxime Lamotte. Cazot, ouais, le contre de Michael Guillard, mais ce ballon qui va repartir en touche. Et on va repartir donc sur ce lancer pour Maxime Lamotte. Lancé dangereux, petit conciliabule côté bordelais pour choisir l'annonce. Essayer de tromper l'alignement lyonnais, d'éviter le contre de Félix Lambet ou de Michael Guillard. Et cette fois-ci, c'est Kane Douglas qui lui aussi prendra sa retraite à la fin de la saison, qui s'est saisi de ce ballon. Il est dans les mains de Maxime Lamotte, justement, ce ballon. Est-ce que ça va aller jusque dans l'embute? C'est plutôt très bien parti pour les Bordelais. Il est stoppé peut-être juste devant la ligne, Maxime Lamotte. Et le jeu qui se poursuit avec Tatafou. Le chronomètre qui défile en faveur des Lyonnais, certes. Mais attention à ne pas encaisser d'essai sur cette séquence. Il y a un avantage en cours pour les Bordelais. Ils ne sont qu'à quelques centimètres de la ligne. Voilà cet essai Bordelais. Il me semble que c'est un doublé pour Pitsamou, mais on va écouter Monsieur Reynal. Il semble assez valable hein, cet essai de Pitsamou. Voilà, on va vérifier si Pitsamou, l'international australien, était oui ou non participant au ruck. Ah oui, a priori, c'est le cas. Il n'avait peut-être pas le droit de se saisir du ballon sur ce coup-là pour s'étendre et aplatir derrière la ligne. On patiente, sachant qu'il va durer encore un petit peu cet arbitrage vidéo. Oui, parce qu'il reste allez, un petit peu moins de 14 minutes, 13 minutes désormais. Et il va falloir produire son effort, notamment du côté du 5-2 devant lyonnais pour contenir la poussée bordelaise. On rappelle Kolasvili à gauche, Bentameifouna à droite. C'est du lourd, du très très lourd pour ce paquet d'avant de l'UBB. Introduction à suivre pour Yann Lesgourg. C'est bien trouvé, Mathieu. Je vous félicite pour ce sigle inventé sur l'instant avec Tatafou qui démarre.
Il est refoulé dans un premier temps par Saguinadze notamment. Attention Tameifuna. Il s'accroche forcément les Bordelais parce que c'est un match qui compte. On rappelle les hommes de Fabien Gégenbacher qui n'ont décroché qu'un seul point à l'extérieur cette saison, mais qui pour l'instant ont remporté 37 points sur 45 possibles à la maison ici au Matmut Stadium. Avec Zach Holmes. C'est un maintien probable ou des doutes qui s'installeront dans les têtes lyonnaises en fonction de l'issue de cette action et de ce match. Le bras tendu de Mathieu Reynal pour la suite de cette action avec la passe dans le dos de Douglas pour Lesgour qui a trouvé Tatafu Bielbiaré. Attention cette action qui est un petit peu confuse. Alors on va revenir sur une pénalité en faveur de Bordeaux. Peut-être une répétition de faute aussi de la défense lyonnaise. Pas de carton jaune sur ce coup-ci. Mais la prochaine pénalité devrait entraîner une infériorité numérique pour les joueurs du Loup. On va surveiller bien sûr le choix de ces Bordelais. On a vu une mêlée pas forcément récompensée mais plutôt dominatrice il y a quelques instants. Alors on va repartir sur cette phase de jeu alors qu'on revoit Kolasvili. Et la faute des Lyonnais de Wism qui reste dans la zone plaqueur-plaqué. Des mêlées successives à 5 mètres de l'embut lyonnais. Une équipe qui, bien sûr, joue gros, joue peut-être sa fin de saison sur cette rencontre face à Bordeaux. Et des Bordelais remaniés, Mathieu Jean-Baptiste, qui sont peut-être sur le point de réaliser un joli coup ici sur la pelouse de Lyon. Et on a choisi de faire sortir un troisième ligne. Ouais. Cette mêlée qui est plutôt stable grâce à cette entrée de Romain Taufifénois, stable dans un premier temps. Et il n'y aura pas de pénalité, on s'est relevé des deux côtés. On va repartir sur une nouvelle mêlée, introduction Liane Lesgourg. Avec les Bordelais qui campent très clairement dans la moitié de terrain lyonnaise. Sur les 10 dernières minutes, ils sont carrément à 99% de possession grâce aux équipes autour de Christophe Prédignac. On a cette statistique assez folle. Est-ce qu'ils vont être récompensés, ces Lyonnais, ces Bordelais, pardon, avec deux essais refusés, on le rappelle, celui de le ballon aplati par Tamboué, celui aplati par Samou. Et donc on reste sur ces mêlées successives. Ouais, c'est un but lyonnais qui est clairement menacé. Mais tout de même, le temps qui défile sous les yeux de Yannick Bru. On rappelle que les deux équipes ne jouent pas le même championnat. Si d'aventure Bordeaux venait à décrocher un point de bonus défensif, ce ne serait pas très grave hein, pour les Lyonnais qui, eux, clairement, doivent assurer les 4 points de la victoire. Avec Tatafu qui pénètre dans les 5 mètres lyonnais. Lesgourg qui va choisir le côté droit et la puissance de Ben Tameifuna
Et il a relâché ce ballon, l'ancien joueur du Racing, Bentame Ifuna. Résultat, c'est une possession lyonnaise. Attention à ne pas se précipiter, c'est seulement un avantage sur en avant. Il vaut peut-être mieux sortir ce ballon des limites du terrain pour souffler un petit peu, notamment du côté du paquet d'avant. Mais il ne trouvera pas la touche. Paddy Jackson met les bras de Manage Tomboué. Et ça sent le chaos avec Louis Bielbiaré qui a échappé à la tentative de plaquage de Félix Lambay. Est-ce que ce ballon va être gratté? Ballon dispo, comme le dit Mathieu Reynal. Allez, un petit peu plus de 7 minutes à jouer dans cette rencontre. Ça a été échappé ce ballon par Maxime Lamotte. Attention à la course d'Étane Dumortier qui va plus vite que Tatafu. Il poursuit au pied malheureusement l'ailier international Étane Dumortier qui a mal dosé ce dribbling, ce jeu au pied. Mais pour les Lyonnais, ça permet tout de même de réinvestir cette moitié de terrain bordelaise. On va quand même rappeler ce qui s'est passé en fin de première période. On dit souvent que tous les points comptent dans ce top 14. Les Lyonnais qui menaient largement juste avant la pause, qui s'étaient même vu accorder un essai dans un premier temps. C'était sans compter, sans ce contact à la tête entre Liam Coltman et Hugo Boniface. Résultat, eh bien, un score pas si fleuve à la mi-temps et des Bordelais qui très clairement sont revenus des vestiaires avec de nouvelles intentions. Mais c'est a priori insuffisant pour réellement menacer cette potentielle victoire lyonnaise. Les Lyonnais, pour l'instant, quasi intraitables à domicile, si ce n'est cette défaite face au Stade français un petit peu plus tôt dans la saison. C'était lors de la 6e journée, défaite bonifiée, 36-32. A priori, ce sera compliqué d'aller chercher un quelconque bonus pour les coéquipiers de Martin Pajarello. D'ailleurs, les Lyonnais qui concèdent un bras cassé. On a poussé avant l'introduction. Avec un jeu au pied plein axe de la part de Paddy Jackson, Zach Holmes qui lui va cette fois-ci non pas chercher la touche mais jouer l'occupation et mettre à contribution David Niniashvili. En tout cas, Fabien Gégenbacher qui nous confiait hier qu'il voulait voir du côté de son équipe un petit peu plus de résilience, un petit peu plus de rudesse, forcé de constater que malgré ces deux essais refusés, il y a eu de la résilience côté lyonnais.
Et vous le voyez à l'image, hein, les cheveux sont trempés, les maillots sont lourds parce qu'il ne s'est pas arrêté de pleuvoir, hein, tout au long de cette fin d'après-midi à Lyon. La première période a été assez enlevée. La seconde période a eu aussi son lot d'occasions, mais c'est quand même 40 minutes un petit peu plus hachées du côté de Gerland, avec pour l'instant Fabien Gégenbacher qui peut quand même envisager une victoire, car il reste seulement 2 minutes dans cette rencontre et son équipe mène pour l'instant de 10 points. Mais ce sont les Bordelais qui sont en possession de ce ballon. Yannick Bru nous le confiait de son côté, c'est un match hyper important parce que les Bordelais peuvent bien voir leur place dans les 6 un petit peu menacée à la fin de cette 20e journée, même si on rappelle la lourde défaite des Castrais. Il serait bien inspiré de prendre un bonus défensif, mais c'est mal parti avec ce grattage lyonnais. Oui Mathieu, parce que dans le rugby international, Romain Taufu-Fénois est cantonné à ce rôle de finisseur. On ne peut pas être starter et finisseur dans le rugby international. En revanche, on peut l'être en top 14 grâce à un règlement un petit peu particulier. Et donc il a débuté ce match de fort belle manière et il le termine pas mal non plus, Romain Taufu-Fénois, alors que ce ballon a été perdu, récupéré par Lamotte. Marchand Lamotte, de champion du monde U20 en 2018, qui sont vis-à-vis dans cette fin de match avec Yoram Moefana. Petits espaces pour l'international français, bien défendu par Alfred Parisien, mais le ballon ressorti à destination de Pablo Huberti. Yann Lesbourg, plus qu'une poignée de secondes à jouer dans le temps réglementaire de cette rencontre entre Lyon et Bordeaux. Pete Samou qui est mise au sol par Paddy Jackson, et forcément il y a quelque chose à aller chercher pour ces Bordelais alors que la sirène retentit ici au Matmut Stadium. Encore un grattage peut-être cette fois-ci de Jordan Tofua. Non, le jeu qui se poursuit, on est arrêté côté Bordelais. Moefana, intérieur-extérieur sur Maracou. Ballon à disposition pour Yann Lesgourg avec Maxime Lamotte. Attention au grattage peut-être de Taufu-Fénois, non. Avec Tapouaï à hauteur pour son compatriote Pete Samou. Lesgourg qui insiste dans le sens avec l'interception de Paddy Jackson. Le retour peut-être de Manoj Tamboué. Il va très vite. Manoj Tamboué, forcément, il met en difficulté. Et dans le doute, Paddy Jackson, mais Parisien qui poursuit au pied l'essai de David Niniashvili. Un essai qui sera anecdotique, mais qui permet d'exulter du côté de Gerland. David Niniashvili, la pile électrique géorgienne qui inscrit son 7e essai cette saison, et c'est une victoire qui prend du coup un petit peu plus de relief pour ces Lyonnais qui mènent désormais 25-10 en attendant la transformation de Paddy Jackson. On peut le faire vite fait, un toto. Là. Ah.
On se met là. L'objectif est atteint. Ouais. On le sait que jusqu'à la fin, si on veut se maintenir, il faut qu'on soit intraitable à domicile. Donc voilà, on savait qu'on recevait un Bordeaux qui avait fait un match dantesque face à Toulouse. Donc on a fait une grosse semaine pour se préparer. On savait que ça allait jouer devant, qu'on allait avoir des conditions dramatiques. Et voilà, aujourd'hui, les gros ont été énormes. On a une discipline qui, je pense, nous coûte la victoire. Enfin, nous, grâce à ça, on a la victoire. Donc voilà, aujourd'hui, on gagne à domicile, mais maintenant, pour assurer le maintien, il va falloir gagner à l'extérieur. Et dans 15 jours, on va à Perpignan dans un match crucial. Donc voilà, on va quand même savourer ce soir parce que c'est une belle victoire. Merci Léo. Je vais...